rumors spreading round. And that takes its time. But the shack outside. Dans un premier temps, il me fallait un vélo. Alors, je suis allé chez Rouleco, association qui recycle les vélos sur Annecy, et j'ai fabriqué Bibi, le vélo sans batterie. Moi, c'est Blandine, nouvelle cyclo-voyageuse passionnée. On me dit courageuse, je me dirais plutôt effrontée, attirée par l'inconnu. L'histoire de ma vie, c'est d'improviser. Le 17 juillet 2020, je suis partie faire un tour de France sur Bibi, à la seule force de mes cuisses et de mes mollets. Tout ça dans le but d'aller à la rencontre des gens et d'alternatives écologiques. Et comme j'aime représenter mes valeurs, j'ai créé une cagnotte pour le pôle éducation de la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, association qui œuvre pour la biodiversité. Un tour de France, me direz-vous, mais comment le raconter ? Au-delà d'une aventure, le voyage à vélo, c'est aussi un choix de vie. Alors je me suis dit que, plutôt que de vous raconter mes journées, j'allais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je fais ça. Certainement, vous devez déjà vous en douter. Ou alors, peut-être vous hésitez. Et si c'est le cas, j'espère avec ce petit film vous transmettre cette envie de pédaler, de partager, de contempler. La première chose, c'est cette nature incroyable. On se rapproche un peu plus à chaque coup de pédale. On voit des choses qu'on ne prend plus le temps de voir, et par ça, on se réapproprie toute la splendeur qu'elle nous offre. Allez, venez avec moi. Je vous emmène voir ça. Cloud.
La deuxième chose, c'est tous les gens qu'on peut croiser sur notre chemin, qui fait grandir ce sentiment de proximité. On m'a souvent parlé des mauvaises rencontres, on m'a souvent dit de me méfier, et pourtant, j'ai jamais été aussi bien entourée. C'est moi qui lui ai dit qu'il fallait qu'il signe ici, comme ça quand tu vas dérailler avec ton vélo, il pensera à toi, tu penseras à lui, pardon. Merci. Ah. Voilà. Voilà, c'est ça à chaque fois. Et c'est pas fini, j'en ai fait plein des rencontres, toutes aussi diverses et variées. Voilà, Santi qui se recoiffe. Donc là, on est dans le musée du vélo by Santi. Hein. Si vous savez pas quoi faire, que vous cherchez des vélos, ben là, il y en a. Voilà. C'est bon, t'es coiffé là, on peut y aller là ? Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Le Charlie dans son milieu naturel essaye de remonter la rivière. Et puis il y a les alternatives éco-responsables. C'est aussi un petit peu pour ça que je faisais mon voyage quand même. Alors je suis allée voir celles qu'on m'avait indiquées, d'autres que j'ai pu repérer, et celles qui ont bien voulu m'accueillir de manière improvisée. Je suis admirative de toutes ces personnes engagées et qui défendent leurs valeurs coûte que coûte, malgré les difficultés. Au détour des chemins, j'ai croisé ce petit café associatif à Bordeaux. Ces potagers installés dans la ville de Nantes pour nourrir les familles défavorisées. Et Charlie, en Bretagne, m'a offert ce petit sac en paquet de café recyclé. Mais il y a aussi toutes celles qui m'ont accueilli et je vais vous les présenter. Le jour de mon départ, j'ai rejoint l'Altertour à Annecy. C'est une manifestation itinérante à vélo pour la transition écologique et sociale. Ils pédalent en groupe organisé à la découverte des écolieux. Un petit peu comme moi en fait. Sauf qu'ils sont plusieurs. Et organisés. On a fait un petit stop à l'Écrevisse. C'est un atelier partagé. C'est aussi un espace d'expérimentation ouvert. Un lieu de rencontre pour laisser germer des idées et amorcer des projets. Le lendemain, j'ai accompagné l'Altertour à l'Étoile Verte. Petite ferme où l'on cultive la spiruline et les plantes médicinales.
On a même eu le droit à une petite visite et à une petite dégustation. Puis j'ai repris la route seule, en direction de l'Alsace, pour aller à la découverte du collectif des Possibles. C'est une association d'artistes tous engagés pour la planète. Ils œuvrent à la réhabilitation du parc de Wesserling, cité textile datant du 19e siècle. J'ai été accueillie par la compagnie Equinote, cirque équestre de création. Les chevaux sont les piliers de leur inspiration. Sensibles au respect de la terre et de ses habitants, ils portent une éthique éco-responsable au quotidien. J'ai continué mon ascension vers le nord pour retrouver Nathalie, créatrice de Un jardin pour demain. C'est un réseau de jardins partagés, collectif et participatif en permaculture sur Rémilly. Des pratiques respectueuses de l'environnement et créateurs d'emplois. Arrivée à Lille, je suis accueillie par Lélia, actrice dans l'association Coup de Pouce. Son objectif est d'inviter et d'accompagner le plus grand nombre vers un changement progressif d'habitude, afin de protéger la planète. Ses moyens, un petit livret extra avec plein de bonnes astuces, l'organisation d'ateliers de sensibilisation, et enfin, les réseaux sociaux. Et j'en ai profité pour faire un petit check de mon vélo, aux mains dans le guidon. C'est un peu comme Rouleco, ils enseignent et favorisent la réparation du vélo, mais ils ne sont pas une association. À Berck, Grégory m'a parlé de TriFit Planet, une idée astucieuse pour nettoyer les plages en faisant du sport. Non loin des côtes normandes, Vincent m'a présenté la bicyclerie. Et cette fois-ci, c'est bien comme Rouleco, une association qui recycle les vélos. En période de chasse de légumes pour me nourrir, je suis tombée sur Adi, qui venait juste d'ouvrir sa petite boutique Un Zeste d'Amour et dont les produits proviennent uniquement de producteurs locaux et bio. Et puis pour bien manger, il y a les caramels au beurre salé. Et ça, à vélo, c'est un peu une priorité. J'ai donc repéré la carameux proche du Mont-Saint-Michel. C'est une grande ferme familiale, éthique et bio. En plus de ça, c'est une ferme militante qui se sert de sa notoriété pour sensibiliser les gens à l'agriculture éco-responsable. Un peu plus loin en Bretagne, j'ai passé la nuit au jardin maraîcher des Bords de Rance. Au réveil le matin, Hervé m'a donné quelques-unes de ses ficelles en permaculture. La ferme du Goatio m'a accueilli de nuit également. J'en ai profité pour donner un coup de main à Nadine au marché et à la confection de confitures fraises rhubarbe. Mais n'allez pas croire que je suis obsédée par la nourriture. La preuve, je suis aussi obsédée par Bibi. Il faut l'entretenir le petit. C'est Nicolas des Routes de la Transition qui m'a fait une petite révision. Lui aussi a ouvert son atelier pour monter des vélos le plus possible recyclés. Enfin, j'ai fait un petit passage obligé à la station LPO de Bretagne. C'est ici que l'association est née, et comme j'ai ouvert une cagnotte pour elle, je voulais la rencontrer. Je suis ensuite redescendue tranquillement vers le sud parce que je voulais voir mon petit frère. Il était le chef d'un restaurant étoilé dans un domaine 5 étoiles en Charente. Il cherchait à obtenir le label Écotable, label qui signifie que le restaurant est engagé écologiquement. La propriétaire du domaine a souhaité en faire un lieu de vie en harmonie avec la nature. Et on s'y retrouve complètement. Pour la rotation des cultures. Là, d'une année sur l'autre, on va pas mettre les mêmes espèces aux... En remontant l'estuaire de la Gironde, je suis arrivée tard dans la nuit à la ferme de la Gravelle. Camille et sa famille s'occupent d'un élevage biologique d'agneaux, une activité de maraîchage bio, et une ferme équestre vient de s'ouvrir, dont la priorité est le bien-être de l'animal. Sur le bassin d'Arcachon, une petite cabane m'a interpellée. À l'intérieur se trouvait Manon qui représente l'association Cap-Terre-Mère. Un peu comme la LPO, ils œuvrent pour la biodiversité. Elle m'a expliqué qu'avant les Landes étaient des marais, et ce sont les hommes qui ont planté des pins il y a 200 ans pour assécher la terre. Dans les Pyrénées, j'ai rejoint la ferme de Valnest. Benoît y est éleveur et apiculteur. Il possède une centaine de brebis et autant de colonies d'abeilles. Son but est le bien-être des animaux, avec l'agroforesterie dans les prés et la musique classique dans la bergerie. Il est comme beaucoup débordé par son travail, alors je suis restée une journée avec lui pour l'aider. Mon dernier endroit a été chez Tom et Millette,
dans les Alpes de Haute-Provence. Il venait d'acheter une ferme pour faire de l'agriculture bio, et 15 jours après s'être installé, la moitié de leur terrain ont brûlé. Ils sont eux aussi très engagés pour la protection de l'environnement, et aujourd'hui, ils se battent avec les administrations pour faire valoir leurs droits. Je suis restée 2 jours avec eux pour les aider comme j'ai pu. J'ai été vraiment touchée par leur persévérance, et le suis encore aujourd'hui. Les paysages, les rencontres, les alternatives éco-responsables m'ont aussi amené à partager la culture des endroits traversés. J'ai beaucoup aimé ces découvertes parfois insolites. C'est pourquoi je leur ai dédié cette petite rubrique. Ça, c'est les pièges de fin de journée. Mais que serait le voyage à vélo sans l'aventure ? Eh oui,
pédaler vers l'imprévu, l'inconnu, peut aussi nous amener à rencontrer parfois des difficultés. Des mauvais chemins, une météo capricieuse, une solitude pesante. Je ne vais pas vous cacher qu'il y en a des galères. Des jours où les cuisses ne veulent plus fonctionner et où le cerveau a décidé d'arrêter. Des jours où on ne sait plus comment avancer. Mais le voyage à vélo, c'est la liberté. Et les galères, c'est rien à côté. Aller où on veut, quand on veut, au rythme qu'on veut. Cette sensation d'être un petit peu comme la reine du monde et d'avoir juste pour soi toutes les merveilles de la nature. Jamais aucune vidéo ni aucune photo ne pourront refléter ce que l'on vit vraiment à cet instant. Se laisser porter au gré de nos envies et vivre les histoires les plus incroyables, les rencontres les plus magnifiques. Voyager, c'est aller de soi à soi en passant par les autres, et aujourd'hui, je suis bien placée pour vous en parler. Et puis, il y a aussi cette adrénaline que ça suscite, cette envie d'aller voir toujours plus loin, pour connaître un jour nos limites. Pour vous dire, même la seule fois où j'ai crevé, j'étais en fait contente, car je pouvais enfin me servir de ce que j'avais appris. Finalement, on se démerde, et c'est bien de voir qu'on peut faire avec nos propres moyens. On sait que de toute façon, il y aura toujours une solution. Et puis ce que je vous ai pas dit, c'est que l'idée de ce voyage m'est venue pour aller voir ma grand-mère en EHPAD à Bordeaux, alors que j'étais avec mon frère, à 175 km de là où elle se trouvait. Ma tante m'appelle pour me dire qu'elle était au plus mal. Je me suis dit, j'ai 2 jours pour descendre, je repars demain matin. Je suis partie et j'ai roulé toute la journée en disant tu vas le plus loin possible et puis tu t'arrêteras quand t'es fatiguée. Et finalement, le soir, je suis arrivée à Bordeaux pour voir ma grand-mère après 175 km dans la journée. J'ai eu cette chance de pouvoir être auprès d'elle et de l'accompagner de l'autre côté jusqu'au bout. We'll be right back.
chair, liberté, père des chéris, combat avec des défenseurs. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés